can run from what I feel inside. There's no more time to hide. Hello tout le monde, c'est Humility. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, les amis. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mon petit Steamer Dopou. Je sais que vous l'aimez bien, j'ai reçu quelques commentaires qui m'ont demandé quand est-ce que je joue ça, Bon, c'est un peu le problème quand on a plein de personnages et plein de séries différentes sur la chaîne, c'est qu'il y a des gens qui veulent tel truc, d'autres tel truc. Enfin voilà, forcément, il y a des gens qui préfèrent le PVP, qui préfèrent tel perso ou tel perso, qui préfèrent le PVM, qui préfèrent les quêtes, qui préfèrent les news, parce qu'ils tiennent au courant comme ça. Enfin voilà, il y a plein de choses et là j'ai envie de jouer le Steamer. Et comme en plus sur les lives et en commentaire dans les dernières vidéos, il y a des gens qui me demandaient quand est-ce que revient la petite team et tout, bah voilà. Là on va jouer le petit Steamer, on va faire du 1v1, je m'inscris, oula attendez, en fait je voulais m'inscrire en 1v1, ok, je me suis trompé, c'est bon, c'est nickel. Donc nickel, le Steamer toujours le même, d'ailleurs j'ai ma F4 mais je pense qu'on peut, enfin elle est là, mais on peut la déconnecter, on n'a plus besoin d'elle. Ce qu'on va faire, c'est que, bah le stuff vous le connaissez je pense, hein, c'est toujours le même. La petite différence, je sais plus ce que j'avais fait, oui c'est que j'avais un Volcorn. Ouais, j'avais le Volcorn roux, c'est ça, non? Un truc comme ça? Qui faisait des dopou et un PA. Mais en fait, comme maintenant, les sorts ont changé en termes de coût en PA, eh bien, vous avez Torpille, par exemple, a changé. Torpille ne coûte que 3 PA maintenant, alors qu'elle coûtait 4 avant. Donc même si ça pousse moins et que c'est un peu moins... Enfin, c'est... en gros, c'est un peu plus flexible, mais avec un petit peu moins de dégâts, et c'est beaucoup plus intéressant. Parce que comme c'est basé sur les dopou, ben, le... enfin, moi, je trouve que le sort est beaucoup plus intéressant comme ça. Et on a Michel, le Volcorn, exactement, qui est qui fait, en fait, 60 dommages de poussée. Donc même l'item, le taux foudre, vous donne... Bon, pas de PA, bien sûr, mais vous donne 120 AJ et plus de dopou. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'enlève le culbuteur et je mets un casque cascadeur majeur à la place, ce qui fait que les dopou qu'on perd avec le Volcorn, on les récupère avec le familier. Du coup, on peut se permettre d'avoir un petit peu moins et plus de stats, un petit peu moins de dopou et un peu plus de stats. Du coup, ce qui fait que on va fuir plus facilement le combat. On va avoir des sorts comme Armatan qui vont taper plus fort, donc sans se servir des dopou. On peut avoir la marée, donc qui peut faire un petit peu plus de dégâts. Enfin, vous avez compris. Hein, l'idée, c'est si jamais on a besoin, on peut faire un tout petit peu plus de dégâts. Donc ça peut être cool. J'allais dire le cac, mais bon, si je me sers du cac, c'est vraiment il y a un problème qui se passe clairement parce que j'ai pas à me servir du cac. Bon, on a trouvé un combat. J'espère que ce sera pas contre un level 200 parce que la dernière fois que j'en avais fait, j'avais joué un petit peu en off. Et je me souviens que j'étais tombé avec des levels 200, donc c'était plutôt le massacre. Bon, par contre, il faut que je me ressouvienne comment on se sert du Steamer. C'est un Kra, level 168. On va lui dire hello. Alors le Kra, il faut s'approcher le plus rapidement possible. Et je pense que je vais prioriser peut-être un Dofus. J'aurais mis limite un Dofus PO, mais je peux mettre un Dococo aussi, je sais pas. Le Dococo peut être intéressant, après je vais pas perdre 64 de dopou quand même. Je me tâte à perdre un petit peu de dopou et gagner un petit peu. C'est vrai qu'on a le Vulbis aussi, ou alors je pourrais perdre un tout petit peu d'agi et mettre. Ouais, c'est vrai que le Tackler est moins intéressant, je sais pas. Je sais pas les amis. Je me tâte, vraiment. Je pense que je vais le mettre. Quitte à perdre un petit peu de dopou. Ouais, je sais pas, hein, c'est quand même si, vas-y. Hein. On est quand même basé sur les dopou. Quoique le tac peut être intéressant. Vas-y, on va essayer comme ça. 3648 de vie, j'aurai un petit soin de 400 voilà, tous les tours. C'est vrai que les variantes, je les laisse toujours... Oh non, mais non, mais non. Non, il y a encore le bug. Mais non, sérieusement, mais je pensais qu'il avait corrigé. Tacti, transition, on va juste faire ça. Il faut que je me lance la longue vue. Et les sorts spéciaux, on les mettra après. Bon, on peut mettre la maîtrise, la libé, la flamiche, le scaf. De toute façon, mon tour va être très rapide. Il faut juste que j'ai le scaf. Voilà, le scaf. Ok, alors. Ok. Ouh, j'ai joué extrêmement vite, c'était vraiment très très rapide. C'est bon, j'ai mes sorts quand même. On sait pas quel élément il est. Il a pas beaucoup de résistance, il a 3346 de vie. Par contre, j'aurais peut-être dû m'avancer au final. Je sais pas, il va falloir que je mette ma harponneuse. Donc, alors ma harponneuse, on va mettre là. L'ancrage, ça peut servir dans certaines situations. La maîtrise, ça s'en servira jamais. L'armure de sel, ça on s'en servira. La gardienne, ça on s'en servira. D'ailleurs, on va mettre la petite. Ah, mais transition, elle était déjà ici. La gardienne ici. On peut mettre l'aspiration ici. Et du coup, là, on peut transition. Transition à 4 PA, effectivement, change un petit peu la donne. Mais ça va aussi, hein. C'est pas non plus un très très gros problème. On va la mettre ici, du coup. Comme ça, elle va taper.
Et on va se scaf. Voilà. Voilà, 286. Et là, normalement, on devrait prendre un petit... Bon, 300. C'est pas exceptionnel. On va activer le mode tactique. Ce sera quand même bien plus sympa. Ouais, je préfère comme ça aussi. Hop. Alors, qu'est-ce qui nous manque comme sort? La gardienne, c'est bon. La torpille, c'est bon. Elle est placée. La marée, ça, c'est important. Vapor, on s'en fout. Aspiration, ça, on s'en fout pas. La longue vue, ça, on s'en fout pas. Le secourisme, bon, on s'en fout. Celle patron, on s'en fout aussi. Embûche, ça fait rien. Par contre, écume, ça, on s'en fout pas. Fouenne, on s'en fout complètement, vu qu'on n'est pas terre. Cuirasse, ah, ça, on s'en fout pas. Où est-ce qu'il est? Brise-lame non plus. Cuirasse non plus. Et voilà. Après, on va trier un petit peu dans l'ordre qu'on veut, mais... Ah ouais, la caote. Où est-ce qu'elle est, cette petite caote? Sort spéciaux. Caote. Tac. C'est horrible de jouer comme ça, en vrai, hein. C'est vraiment compliqué, hein. Tac. Ah bah oui, j'ai pas de... Donc là, elle va prendre le plus près, c'est ça? Ah oui, non. Elle prend d'abord le plus près. Elle prend d'abord donc l'entité qui était la plus proche, c'était elle. Et ensuite, c'était moi. Donc, oui. C'était la mauvaise idée. Donc là, il va me placer une punitive. Bon, c'est pas très ouf ce que j'ai fait. Ok, une punitive à 429. J'ai combien? 34%. Bon, ça, c'est bien. Et surtout que vous, je vous ai dit, hein, plus de PO, c'est un petit peu la merde. Bon, au moins, je l'aurai pendant 2 tours. Donc là, enfin, j'aurai ce tour-là, je veux dire, j'aurai la PO ce tour-là. Donc c'est pas trop gênant. C'est horrible de jouer comme ça. On n'a pas de réflexion pour ces sorts. Ok. Est-ce que je peux faire des trucs sympas là? Bah, pas tant que ça au final. Je peux aspi ou pas? Ouais, je pourrais aspi si je viens là. Tac. Et du coup, on va juste faire armatant puisque maintenant on peut le faire sur le côté. Ah, je pourrais pas, merde. Ouais, je vais quand même armatant, ça va être plus intéressant pour moi. Je vais faire double. Ah, faut que je me cuirasse. Tac, vous voyez qu'on tape avec la J au final, on tape à 400 x 2, c'est toujours ça, hein, vaut mieux le faire. Je me cuirasse pour pas me faire pousser. Parce que là, au final, je lui mets la pression et lui, il m'a pas trop mis de pression, donc ça va. Ok. J'ai pas mis la gardienne non plus, il me flèche de recul. Voilà, l'XP qui fait mal, 850. On a juste à bloquer la ligne de vue, je pense, je sais pas trop. Tac. Tac, on peut faire ça. Je vais mettre une gardienne. Ici. Et on va se scaf tous les deux. Là, on devrait taper plus fort. Il devrait pas me tuer ce tour-là. Ouais, ça devrait être pas mal là, les dégâts. Les dopous, vous allez voir, ça devrait être bien. 694, quasiment 700. Donc là, c'est soit il me tue ce tour-là. Soit je pense que je le tue derrière. J'ai récupéré ma PO aussi. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que le combat est fini, c'était laborieux, hein, ce combat. Bon, c'est pas fini, mais à mon avis, je vais gagner. Mais c'est en tout cas, c'est laborieux. Hein. C'est vraiment compliqué. Il a 1285 points de vie. Donc je pense que peu importe où il se met, j'arriverai à le toucher. Parce que s'il se met derrière le mur là. Ah ouais, non, là par contre, avec le retrait PM, pas sûr du tout. Ah oui, par contre, il m'offre le kill là. Il est gentil ce monsieur, mais. Armatant, torpille, torpille, hein, je pense que ça tue. Ouais. On lui dit GG. J'aurais pu le tuer, je pense, n'importe où il était. J'aurais trouvé, vu que j'ai encore la tactique qui inflige à peu près entre 600 et 700. Ok, bon, je vais remettre mes sorts et on se dit à dans quelques instants. Allez, c'est reparti les amis, c'est bon, j'ai mis les sorts dans la barre, c'est nickel, on est contre un Yop. Alors souvent, contre Yop, bon, ça joue souvent terre, il est 183, donc il a une vingtaine de levels de plus que moi. Le brise-lame est vraiment hyper hyper important. Après, donc ouais, j'ai mis les sorts, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je pourrais mettre au niveau des Dofus, je suis pas sûr. Là, je pense que c'est vraiment full damage. On n'est pas obligé de mettre un petit Dococo. Là, je pense qu'on va rester vraiment comme ça. On va être vraiment full dégâts. On va considérer qu'on va essayer de taper plus fort que lui. Et brise l'âme au moment crucial. Et ça devrait le faire. Allez, let's go. On est parti. Il est feu. Ok, bah c'est original. En tout cas, il a l'initiative sur moi. Non, j'ai l'initiative sur lui, pardon. Alors, on va commencer à mettre une tactique, je pense, directement. On va la transition. Voilà, on va se longue vue pour le faire au prochain tour. Et on va se mettre ici. Est-ce que c'est trop exposé? Je pense pas que ce soit trop exposé. Je pense que même. Je vais me permettre de scaf en fait. Parce que
Je me dis, voilà, là, il faut taper plus fort que lui. C'est vraiment le but. Donc, bah, on va essayer de le faire. On va essayer de taper plus fort que lui. Alors, il va se vitalité normalement au T1. Il n'a pas beaucoup de résistance. Normalement, ça devrait le faire, je pense. Hein. Le combat devrait bien se passer pour moi si je fais pas trop d'erreurs. Alors, tac, on va bah, refaire la transition. Est-ce qu'on peut direct commencer à taper? Je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça. Hein. Quoique, je vais l'armure de sel, du coup, et on va y aller. Alors, comment il faut le faire de manière intelligente? Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de secret. On va juste faire ça. Voilà, et nous, on va se cacher derrière. On n'a pas grand-chose de plus à faire. Bon, en fait, nous, on peut se permettre de jouer un petit peu à distance. Allez, un 558, plus les 242 du Booma. Donc ça, c'est nickel. Ok, e-puissance, ça veut dire qu'il veut vraiment venir voilà, ce tour-là pour me taper. Après, là, il est en train de faire une erreur de mon point de vue, parce que il aurait dû venir directement sur moi. Là, je pense. Ah oui, par contre, l'attaque tirée, elle est ici. Du coup, est-ce que je mets une kawotte pour l'embêter? Je pourrais kawotte marée. Ouais, on peut vraiment jouer temporisé tranquillement. Vraiment, en fait, on n'est pas pressé, là, pour l'instant. Donc on va juste faire ça, ça. Donc lui il va rester ici, donc si on s'écarte c'est encore mieux. Qu'est-ce que j'ai de plus à faire pour 5 PA? La longue vue ne sert à rien, parce que ça va chambouler un petit peu l'esprit. La cuirasse non plus, arme de sel non plus. On n'a pas grand chose à faire. J'ai même pas de tutu donc je peux pas booster mes crits. Bon, il va te prendre combien? 183 et 367, donc c'est quasiment... Enfin c'est vraiment intéressant pour moi. Plus de 500. Ok, donc là il bond. Il a encore la puissance pendant un tour. Ok, 992, ça fait mal. Surtout que j'ai pas beaucoup de résistance feu, hein, j'ai que 20%. Le pire c'est haut, moi de toute façon. Mais et voilà, je le détacle 100%. Donc vous allez voir que ça... Aïe, 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 aïe. Bon, l'avantage, encore une fois, c'est que je peux m'en sortir. Je peux aspi. Est-ce qu'il y a un intérêt aspi? C'est dommage qu'il n'y ait pas de ligne de vue là. Donc je vais armatant. Longue vue, je pense. Armatant, armatant. Je vais longue vue juste pour m'écarter en fait. Ouais, je vais juste faire ça. Tac. Et on va. C'est une famille. J'aurais pu scaf, mais. Voilà. Ah oui, il peut pas, je suis pesanteur, pardon. Je fais n'importe quoi. Il fallait peut-être me brise l'âme là. Hein. Après, il est autour en accumulation. Ouais, j'aurais dû me brise l'âme là. C'est une erreur de ma part. Ouais, il fallait juste le pousser en fait, hein. C'était tout. Quoique, il aurait pu me taper à distance aussi, ça n'aurait pas changé grand-chose. Là, je pense que je vais quasiment le tuer. On va voir. En plus, il me détacle pas, donc j'aurais dû juste me brise l'âme. Donc torpille... enfin, ouais. On va faire torpille, torpille. Après, je peux juste... on est le tour de destin, on va juste, je pense, temporiser. On va faire l'harpo. Le brise l'âme. Ici. Je pense qu'on peut retorpiller derrière. Voilà. Tac. Voilà, nickel. On va se faire retaper, mais bon, c'est pas trop grave. À moins qu'il tue la harpoteuse avec une destin. Je suis pas sûr. Après, il apprécie. Il a une vitalité qui perd à 9678 au prochain tour. On va voir. Ça change pas grand chose, vu que la destin elle est au corps à corps, donc il aura pas vraiment le choix. Après il peut trouver une zone tumulte. Voilà. Ok, j'ai pris 447 avec une précis, peut-être qu'il me tue hein. Ah, là par contre, voilà, c'était l'erreur de vouloir faire la... Ouais. La destin au corps à corps, que même avec une précis, ça ne suffira pas. Et là je le tue parce que je le détacle. Ok, on a bien fait de le faire. Je sais pas si je le tuais en vrai, mais bon. On a bien fait de le faire. Ok. Bon, j'ai eu... Avec la pesanteur, j'avais complètement oublié qu'on pouvait pas être déplacé. J'ai... Hop, on fait donc la double torpille. De toute façon, il meurt avec... avec la vitalité, dans tous les cas. Allez, on va réinscrire, trouver un troisième combat. Et on se dit à tout de suite, tout le monde. Bon, aujourd'hui, on aura fait beaucoup de crabes, beaucoup d'Iop. Donc on est contre Iop cette fois-ci, 199, on va essayer de mieux jouer encore une fois, de pas faire la même erreur, on le sait pour l'état pesanteur, on va lui dire hello, 199 quand même, hello, il a l'initiative cette fois-ci, c'est lui qui a l'initiative, c'est bien quand je l'ai, ouh, une colère qui est lâchée, donc là on va essayer d'y penser à la colère, T4, colère de Iop, alors, c'est noté dans la tête, c'est noté, alors,
On va faire ça, on va mettre l'attaque Tyrell ici. C'est vraiment à lui là de venir par contre. Tac. En plus, l'avantage que j'ai, c'est que je vais pouvoir peut-être. Il est terre, donc je vais pouvoir. Déjà, j'ai plus de résistance, et en plus, je vais pouvoir essayer de le gérer à distance. Ça peut être pas mal. Ou alors, il a voulu me brain et il m'a fait une colère alors qu'il est feu. C'est largement possible, ça, les amis, hein, vraiment. C'est largement possible. On va voir, il va bond direct. Ok. Is divine. Ok, donc nous, on fait la transition. On va faire donc. Alors, j'ai Harpo, longue vue. Il me reste des PA du coup. Harpo longue vue. Il me reste 4. Donc, quel est le plus intéressant pour moi? Je peux pas aller faire un armatant. Je peux faire. Bon, on va juste faire un ancrage. Je pourrais faire un selpad, j'ai pas assez de PO. Et bien, écoutez, je crois qu'on va juste faire un ancrage et qu'on va se reculer au maximum. Voilà. 221 et là il devrait prendre 500. Bon, 682, ok, c'est vraiment pas mal. Quand il y a les dégâts sur les côtés, c'est vraiment cool. Hein. Ok, donc là il s'approche de nous, il va bon sur nous, donc c'est le tour où on va brise lame parce qu'on est T4. Is puissance pour le T4, on le sait. Donc on va commencer par le brise lame. On peut essayer de s'écarter aussi hein, directement, mais je pense que là on va juste taper. Hein. Et on va juste lui faire armatant. Où est-ce qu'on décide de full taper? Parce qu'en fait il va avoir beaucoup de PA. Et je sais pas s'il arrivera à tuer ma harponneuse. Sur du 35%, je pense pas. Donc on va vraiment taper. Hein. On va armatant et torpille. Et on se prépare. On reste là. On va préparer le prochain tour. On va peut-être armure de sel l'harponneuse. C'est juste histoire qu'elle tape un tout petit peu moins. Qu'il la tape un petit peu moins s'il cherche une zone ou un truc comme ça. La colère du coup devrait one-shot ma harponneuse, mais c'est pas trop grave. Ouais, il l'a one shot, ok, au moins on est au courant. Mais nous on a pris 0 dégâts en attendant. Et il nous fait intimidation et double inti. Et il va essayer de se cacher du coup. Bon, bon c'est vraiment parfait pour moi. On a l'armatant. Et là, du coup, on peut se permettre de scaff. On va scaff double marée, double torpille. Et longue vue, je pense. Là, ça devrait faire extrêmement mal, les amis, vous allez voir. 667, 655. On met la longue vue sur le côté pour les dégâts à 680. Et boum, 742! Il reste 370 points de vie. Et vous voyez que nous, on est très très bien. Au final, on lui a mis vraiment. Il a pris 742 avec l'armatant au niveau de la faiblesse. Dans celui-là, ce combat s'est très bien passé. On n'a pas oublié la colère. Et c'est fini, je pense, les amis. En plus, regardez, il nous refait automatiquement une zone. Donc, on peut le double torpille, en fait. Et il va se retrouver directement dans la zone de Matak Tyrell. Donc là, bah, vraiment, on n'a rien de plus à faire. Hein. C'est juste ça, on aurait pu... Hop, on lui dit GG. Et un petit 199 de géré qui nous fait plaisir. Bah, écoutez, je pense que la flamiche tue pas, voilà. Donc, eh bien, on va même être repoussé juste pour le plaisir d'être repoussé. Voilà. Bon, franchement, les combats étaient assez rapides, on va pas se mentir pour bah celui-là, hein, c'est vraiment 3 minutes 22, celui d'avant aussi était assez rapide. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu, ces petits... on croise quand même, je veux dire, on croise souvent des classes damage dealer. Je sais pas si vous savez, mais Steamer est la classe la moins jouée du jeu. C'est la classe qui est la moins jouée, elle représente 2,18% des joueurs. Donc ça veut dire que sur 100 joueurs... Il y en a deux qui sont des steamers. Donc sur 100 personnages dans le jeu, il y en a deux qui sont des steamers. Après, c'est normal parce que bah il y a beaucoup de gens qui jouent Kra et puis il y a beaucoup de Kra. Il y a 15% de Kra dans le jeu. Donc forcément, c'est dingue. Mais il y a des Yop aussi. Il y a 11% de Yop. Je crois 11% d'Eni. Après, ça doit être pas Osamoda. Je sais plus exactement quelle classe ça peut représenter après, mais... Il y en a beaucoup en tout cas des Cryop et Ni, on en croise beaucoup aussi forcément, c'est les classes les plus jouées. Mais je l'aime bien ce petit steamer moi, je l'aime bien, pouvoir faire des petites patates comme ça, c'est plutôt cool. Bon j'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures, je vous aime, bye bye tout le monde.